Le prochain défi va vous demander de battre des Snowtroopers. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans la base des rebelles, donc qui est représentée par le logo rond bleu. Quand vous êtes dans cette base, là, il va falloir regarder le ciel pour trouver, pour voir la grosse fumée, en fait, du crash du vaisseau destroyer stellaire. Ensuite, vous rejoignez le crash de ce vaisseau et normalement, vous allez trouver des Snowtroopers. Alors, je pense qu'ils n'apparaissent que pendant la journée. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, ce que vous faites, c'est que vous restez en AFK là pendant une journée de Lego. Et ensuite, quand le lendemain matin arrivera, vous allez voir que les Snowtroopers vont réapparaître. Après, si vous ne les trouvez vraiment pas là, ce que vous pouvez faire, c'est voyager dans toute la map et avoir de la chance de tomber dessus. Voilà, ce sera des petites troupes de soldats qui voyageront dans la map. Donc, je vous conseille d'aller dans la neige. Hein. C'est là où vous allez en trouver le plus. Et peut-être aussi si vous ouvrez un coffre de Star Wars. Là aussi, ça fera apparaître des soldats. Et si vous avez de la chance, vous allez tomber sur des Snowtroopers. Alors, les Snowtroopers, ils sont blancs. Et ils ressemblent à ça. Voilà. Vous pouvez voir, on dirait qu'ils ont un voile devant leur bouche. Et en fait, c'est ces soldats-là que vous allez devoir tuer. Et il va falloir en tuer 3 au total. Et dès que vous aurez réussi à en tuer 3, bah là, vous aurez terminé le défi. Et dernière information, vous avez aussi la possibilité de trouver des grottes d'impériaux dans les terres gelées. Et là, obligatoirement, vous allez trouver des Snowtroopers. Code Crash.